assurée. Week-end d'anniversaire à Landresse, dans le Doubs, pour La Guerre du Son, le festival 100% rock et métal fête ses 20 ans cette année. Et comme à chaque fois, ce tout petit village peut compter sur ses habitants et ses bénévoles pour accueillir les groupes. Aude Silan, Éric Debiet et Vincent Grandemange. C'est une drôle de migration. Chaque année, les amoureux de gros sons viennent lever les bras et secouer la tête pendant 2 jours à Landresse, un petit village du Doubs de 200 habitants, tous bénévoles ou presque. Bonjour. Bonjour. Les deux places, s'il vous plaît. Je suis de Landresse, on fait les entrées. Bonjour. Bienvenue à Landresse. Donc là, c'est la poivrelade. Mais historiquement, il y a toujours eu une grosse animation une fois par an qui était sur le village, quoi. Et puis, on a essayé de continuer en actualisant un petit peu. Ce qu'il me disait, c'est le monde. Je ne vais pas rester toute seule chez moi, je rentre ça. Sous la grange, 100% de rock à l'état brut. Une chance pour les groupes de la région. On est toujours avec des gens qui nous disent « Oui, ouais, vous, les nostalgiques de cette musique, ça hurle, ça fait toujours comme ça, c'est toujours pareil le chant, etc. etc. » Non, c'est pas vrai, en fait, c'est que le grand public, en fait, si on le met au pied du mur, il va être capté. Au pied de la scène. Au pied de la scène, exactement. Malgré les problèmes techniques. Ouais. Ouais, ça arrive, hein. Ouais, ça arrive. On a passé un bon moment. Ouais, c'est chouette avec un public conquis là. Avoir vraiment du rock, du métal en particulier dans un festival, c'est vraiment agréable. C'est vachement intimiste, c'est bien plus petit et tout, c'est très abordable. Et puis tout le monde connaît tout le monde et c'est vachement sympa. Pour satisfaire les oreilles des 1500 passionnés de guitare saturée, Landresse accueille aussi de drôles d'oiseaux venus de Norvège. On aime vraiment jouer en France. Je ne sais même plus combien de fois on est venu jouer ici. Personnellement, c'est l'un de mes endroits préférés parce que le public est vraiment à fond. Cette nuit encore, Landresse va livrer sa guerre du son et terrasser de plaisir des centaines de festivaliers conquis d'avance. Allez, on termine avec cette embarcation insolite, le radeau de Raphaël, composé de 9 baignoires reliées les unes aux autres, se chalonner.